Le combat vedette de ce gala a mis aux prises les Béninois Ghislain Vaudouessi et Charlemagne Agbotomain dans la catégorie des supercoqs. Un combat de 10 rounds de 3 minutes, raccourci par la victoire par KO de Ghislain Vaudouessi. Qui laboure le corps de son adversaire, lui pilonne le cerveau, la tête, les oreilles. Et puis là, voilà, Charlemagne s'accroche parce que là, il a perdu complètement la stabilité physique. Charlemagne souffre énormément devant la rage de ce garçon. Deux combats professionnels ont précédé le titre en jeu. Dans la catégorie coq, Raoul Adjaro du Bénin s'impose face au Nigérian Ahmed Akitunde au point. Chez les super légers, Jean Kofi du Bénin et Fatiou Saruna du Togo se sont affrontés. Face au Béninois, ce Togolais farouche et déterminé, mais Fatiou blessé, le juge arrête le combat. Jean Kofi l'emporte donc par KO. Il a pris un coup à l'omoplate.